princesse. Ce n'est pas après toi que je cours. J'ai une beaucoup plus grosse prise. Arrête, Ursula. Oh. Mais c'est Triton en chair et en os. Comment vas-tu? Libère-la! Pas question, elle est à moi maintenant. Lis ceci. Je suis désolée, papa ne m'en veut pas. La corne parla présente à Ursula une voix pour l'éternité, Ariel. C'est un contrat qui a été signé en bonne et due forme, il doit être respecté, même par Triton. Toutefois, je n'ai jamais craché sur un arrangement à l'amiable, tu me connais. La fille du grand roi de la mer est une marchandise de grande valeur, il est vrai. Mais je serais peut-être prête à en faire l'échange contre quelque chose d'encore plus précieux. Je l'ai perdu une fois déjà, je n'ai pas envie de la perdre à nouveau. Je t'écoute, le marché est-il conclu? C'est fait alors. Non, oh non. Va-toi, majesté. Papa, c'est toi. Enfin, le trident m'appartient. Monstre! Un monstre! Ne fais pas l'idiote avec moi, petite prétentieuse! Est-ce que tu veux que je te bouffe? Quel être stupide! Eric, attention! Emparez-vous de lui! En attaque! Regarde ton amoureux, tu peux lui dire adieu. Mes murènes, mes pauvres chéris, c'est abominable.